Bonjour à tous, je reviens vers vous pour les signes d'air pour la tendance énergétique des signes d'air pour avril 2022. Donc, on parle des Verseaux, les Gémeaux et les Balances. Alors, tout de suite, je vais regarder. Alors, signe solaire, signe ascendant et même les signes lunaires, si vous voulez. Tout de suite, on va regarder la tendance énergétique. Je n'en ai pas d'autres. Alors, la mort veut me dire fin de cycle qui a pu être plus ou moins douloureux quand même pour le renouveau, le commencement d'un autre cycle qui va arriver vers vous en pleine lumière et en pleine conscience. Voilà ce que ça veut me dire. Je commence tout de suite par le tirage des Verseaux. Bonjour mes amis Verseaux. Alors pour vous, qu'est-ce que j'ai? Alors, ça sera vous et votre autre, hein, bien sûr, à la fin. Alors, ah! D'accord. Le diable, mes amis. Alors, mes amis Verseau, ça veut me dire que vous avez beaucoup de tentations en ce moment dans votre vie. Vous êtes tenté, soit pour quitter une situation. Vous êtes tenté à aller voir ailleurs si l'herbe n'est pas plus verte que à l'intérieur de votre foyer. Je vois aussi que vous êtes tenté par changer de travail, changer de situation en tout cas. Vous êtes tenté, le diable. Ah oui, d'accord. Ah oui, vous êtes tenté parce que vous voulez sortir d'une situation qui vous a fait pas vraiment du bien. On voit avec le 9 d'épée, on voit une personne qui est lasse, mais psychologiquement, qui n'en peut plus. Psychologiquement, c'est-à-dire dans la tête. Elle a envie de renouveau, cette personne. Avec le bas. Elle est fatiguée moralement. Fatiguée moralement. Elle a plein de livres devant elle. Alors peut-être qu'elle étudie beaucoup pour pouvoir justement s'en sortir. Pouvoir retrouver de la lumière dans sa vie et sortir du sombre, cette personne, elle est lassée. Donc, cette personne, c'est vous, hein, pour le mois d'avril. Vous allez vouloir vous en sortir. Encore deux cartes. Le 7 de Pentacle veut me dire que vous voulez récolter quand même tout ce que vous avez semé. On voit une personne qui est dans le progrès, qui veut progresser dans sa vie. Voilà, donc elle veut progresser et sortir de cette étape psychologique difficile. Elle veut réaliser ses rêves, elle veut entreprendre pour que ça porte ses fruits. Voilà ce que ça veut me dire. Elle veut faire une bonne récolte de ses rêves. Ah oui, d'accord. Parce que même en amour, les coupes sont renversées. Les coupes sont renversées. C'est-à-dire qu'elle a eu du chagrin. Elle a du chagrin. Donc, au mois d'avril, c'est vraiment les énergies de fin mars, début avril, là aussi. Cette personne, elle commence le mois. Bon, elle aimerait avoir du bonheur dans sa vie. Elle aimerait qu'il y ait peut-être une réconciliation. Elle aimerait avoir aussi de la joie, de la bonne humeur, réaliser et pouvoir programmer et réaliser ses rêves, du renouveau. Voilà, bon, on a bien vu, hein. Alors, je vais détailler, je vais creuser. Ceux qui me connaissent maintenant. Le 3 de coupe, oui, célébration, intention. Bon, je suis désolée, on a été coupé, je ne sais pas pourquoi. Donc mes amis Verseau, le 3 de coupe, célébration, intensité, maîtriser ses émotions. Donc voilà, là, bon, de toute façon, les Verseaux, on sait que vous savez maîtriser vos émotions. Et donc ce mois d'avril va être aussi le temps des célébrités. Voilà. Il y a aussi une fin de cycle, donc il y a eu pas mal de souffrances, mais elles sont terminées. Voilà ce qu'on vous dit. Pour le mois d'avril,
On vous dit aussi qu'il y a un homme amoureux, un époux, un père de famille dans votre entourage. Et trouver un équilibre aussi, difficulté, et peser le pour et le contre. Voilà. Donc, je vais regarder aussi, je vais continuer à creuser par rapport aux cartes qu'on a vues au début. Hop. Le bonheur. Donc, il va y avoir de la joie, de la bonne humeur. Il va y avoir des sorties amicales avec des amis. Et il va y avoir donc un contrat, une signature de contrat. Il va y avoir peut-être un nouveau travail ou alors un paxage, une demande en mariage. C'est possible pour le mois d'avril. Pour les Verseaux, il va y avoir un verdict qui va être posé, une décision qui va être posée, et parce que c'était quelque chose qui était en maturité, en fécondité, en fécondation, donc. Et vous allez beaucoup prendre la parole. Il va y avoir des paroles échangées. Il va y avoir beaucoup de discussions. Voilà. Ensuite, je vais prendre. Ouh, après, je regarderai pour votre autre, la personne qui est en face de vous. Sortir du sacrifice. Vous allez sortir du sacrifice. Donc, vous êtes senti peut-être un peu emprisonné d'une situation pour une nouvelle naissance, pour avoir enfin retrouvé la paix. Voilà, c'est ce qu'on est en train de vous dire. Alors, pour la personne qui est en face de vous, la personne à laquelle vous pensez, j'ai pas regardé le dos de deck. Oui, donc voilà, vous allez retrouver vos racines, vous allez vous enraciner, ça va vous faire du bien, vous avez pas mal débloqué des choses du passé, vous allez travailler sur vous. Donc je vais regarder la personne d'en face. Oh, il y a trop de cartes. Alors, comment elle se sent, son état d'esprit? Qu'est-ce qui se passe pour elle? Bon, elle a une coupe d'amour à offrir. Il y a eu pas mal de contrariétés aussi. Il y a eu pas mal d'épreuves. Vous êtes connectés, hein, même quand vous n'êtes pas ensemble. On voit comme un lien d'âme. Hein, vous tournez peut-être le dos parfois au quotidien ou dans la vie, mais vous êtes quand même connectés par l'âme. Et on voit que c'est quelqu'un qui avait le cœur qui a saigné dernièrement, des choses difficiles. Mais c'est une personne qui s'en sort puisqu'elle ouvre le rideau, de la lumière et elle sort de l'ombre et des épreuves. Voilà, et bien écoutez, j'espère, mes amis Verseau, que ce tirage vous aura plu, pour le mois d'avril. Je vous souhaite une bonne soirée et je passe au signe suivant. Bonjour, bonsoir les amis Gémeaux, signe lunaire, signe ascendant, signe solaire bien sûr. Donc je vais voir tout de suite. On a vu donc la tendance générale, c'était la mort, donc une mort au sens figuré pour une renaissance, pour une transformation. Donc je vais voir tout de suite mes amis Gémeaux, qu'est-ce qu'il en est pour vous? Ah, effectivement, vous sortez d'une situation, mais vous êtes encore, vous protégez, vous êtes entouré d'épées, vous vous mettez dans votre cocon, vous avez les mains liées, les yeux bandés, vous ne pouvez pas voir comment va se dérouler la situation jusqu'à son terme, puisque vous n'êtes pas arrivé au terme de la situation. C'est ce que ça veut nous dire. C'est une crise en fait, c'est un moment critique. Il y aura des discussions, des mauvaises nouvelles. Peut-être que vous devriez revoir vos plans, vos choix pour le mois d'avril. Donc ça commence quand même par une carte assez lourde. Alors je vais voir la suite. Ah oui, mais vous avez le monde. Donc bon, là ça change de tout au tout. Le monde. Eh bien, c'est un accomplissement, hein. C'est des bonnes nouvelles, c'est la joie. Donc, vous voyez, bon, bah, vous commencez le mois peut-être comme ça, mais finalement, il y a des choses qui vont quand même se décoincer pour vous et pour aller dans une réalisation. Il y a une série de circonstances favorables pour vous
Et donc, ça va, vous allez pouvoir couronner vos espoirs et vos aspirations. Voilà ce que ça veut me dire. Vous allez être libéré d'une situation. Est-ce que j'ai autre chose? Oh, il y a une carte qui a sauté. La tempérance. Vous allez quand même rester tempéré, hein. Vous allez faire attention à ce que vous faites. Vous allez être dans la réflexion. Vous allez faire attention de ne pas gravir trop précipitamment l'échelle du succès. Et surtout, faire attention où vous posez votre échelle pour pas y tomber, bien sûr, pour pas tomber. Il y avait cette carte aussi, je l'avais remis dans le paquet, mais je vais la sortir. On voit le 6 de coupe. Alors, on voit une personne qui donne des fleurs à une autre personne. Alors, le 6 de coupe, ça veut me dire que vous allez pouvoir effectivement reprogrammer votre avenir. Voilà ce que ça me dit. Les indécisions, les faiblesses. Vous êtes peut-être encore dedans, mais ça va commencer à être loin derrière vous, les obstacles. Vous allez pouvoir mettre à profit aussi vos erreurs et vos choix passés. Voilà, c'est ce que ça veut me dire. Je vais évidemment recouvrir les cartes et creuser, comme pour les autres signes. Le valet d'épée, mais à l'envers. Lâcher prise, avoir la foi, faire confiance à ses anges gardiens. Mais étant donné qu'il est à l'envers, vous avez du mal à lâcher prise, mes amis Gémeaux, au mois d'avril. Vous avez du mal à sortir de votre zone de confort. Avec le magicien, pourtant, vous savez jouer avec la loi de l'attraction et vos capacités, qui sont grandes, pour pouvoir passer à l'action tout de même. Donc là, il faut que vous faites confiance à vos anges gardiens, en fait. Voilà, c'est ça, à la loi de l'attraction. Et de toute façon, votre clairvoyance va se développer encore plus et vous avez un savoir secret qui est bien caché au fond de vous. Et vous avez aussi la carte du monde. Donc, comme tout à l'heure, de grandes réussites, des rencontres ou des nouvelles rencontres ou des rencontres avec votre homme, hein, votre femme, enfin, vous adaptez. Et des voyages, des déplacements. Alors, on va en savoir un petit peu plus pour le mois d'avril pour les amis Gémeaux. C'est ça, la mort, comme au début de la météo énergétique. Donc, c'est une mort pour une renaissance, d'accord? C'est comme un cadeau d'ailleurs, hein, qui va arriver. Il va y avoir un message, il va y avoir des messages. Vous allez avoir pas mal de communication avec quelqu'un ou plusieurs personnes. Et vous allez être dans les émotions. Alors, en dos de deck, j'avais quoi? Festivité. Voilà, roi de verre. Donc, il va y avoir. Comme tout à l'heure avec le monde, il va y avoir des voyages, des sorties. Ça va être un mois assez festif pour mes amis Gémeaux. Et pourtant, ça avait mal commencé. Vous étiez encore sur la souffrance du mois de mars. Un contrat à signer, peut-être professionnel ou en amour. Beaucoup de joie, mes amis Gémeaux. Là, 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 vous allez avoir un très bon mois. Attention cependant à la jalousie, ou alors il y a des personnes qui vous jalousent. Et oui, vous avez bien travaillé sur votre passé, vous avez bien avancé, et maintenant il y a des choses qui poussent, qui mûrissent en fait, qui sont en train de germer. Voilà, c'est ce que ça me dit, et même au niveau financier. De toute façon, vous êtes en plein changement. La roue tourne. Donc, c'est parfait, mes amis Gémeaux. Qu'est-ce que j'ai pas vu? Oui, j'ai pas vu ces cartes-là. Oh. Allez, c'est parti. Comme pour les autres signes. Réussite. Bon, bah, dis donc, tout ce que vous allez entreprendre au mois d'avril, apparemment, c'est couronné de succès. En plus, vous avez la protection sur vous. Et vous êtes dans une forme de sagesse, on m'a dit à l'endroit, les guides. Et un meilleur équilibre retrouvé ainsi que des émotions mieux maîtrisées. C'est ce que c'est en train de me dire. Et en dos de deck, on avait sortir du mensonge. Vous êtes authentique. Vous sortez du mensonge. Voilà ce que c'est en train de me dire. Et en tout cas, si vous avez des gens menteurs en face de vous, vous les débusquez très facilement. Alors, la personne qui est en face de vous, la personne de votre cœur, celle à laquelle vous pensez. Oui, j'avais fait l'autre, oui.
Qu'est-ce qu'il en est pour cette personne? Ah, cette personne a envie de faire ses bagages et pas se retourner. D'accord. Elle a envie de changement elle aussi. Ouh, il y a une carte qui est partie très 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 loin. Je vais aller la chercher. On voit que c'est une personne qui nage dans les eaux troubles, qui est très émotif en ce moment, qui est aussi beaucoup portée sur le matériel. C'est assez mouvementé dans sa vie. Elle n'arrive pas encore à sortir la tête de l'eau. C'est ce que c'est en train de me dire. Et c'est en train de me dire qu'elle commence à avoir des visions, elle commence à croire à des signes et elle commence à s'éveiller lentement. Et peut-être qu'elle consulte des personnes qui voient l'avenir. C'est possible aussi. Voilà, c'est ce que c'est en train de me dire pour vous. J'espère que ça vous a plu, mes amis Gémeaux. En tout cas, n'hésitez pas à aller voir votre signe ascendant, bien sûr, et votre signe lunaire. Je vous souhaite une très bonne soirée ou une bonne journée. Et je passe au signe suivant. Bonjour, bonsoir mes amis Verseau. Non, c'est pas Verseau, excusez-moi, c'est les amis Balance. Excusez-moi. Donc mes amis Balance, on a vu au début du tirage la météo énergétique, c'était la mort, donc une fin de cycle, une fin de quelque chose pour un recommencement et un renouveau. Une mort symbolique en fait. Et là, je vais voir tout de suite comment va se traduire votre mois de avril. Elle était à l'envers. Je vais la laisser, bien sûr, à l'envers. Alors, qu'est-ce qu'on me dit? Le roi de coupe à l'envers, mes balances. Bon, alors, mes amis balances, là, vous avez un homme qui vous tourne le dos. Vous avez une personne qui vous plaît et qui est en train de tourner le dos, qui ne veut pas vous... Qui ne vous a pas donné sa coupe d'amour, en tout cas, ou l'a retirée. On voit aussi avec le 5 d'épée et le page de pentacle, mais à l'envers. Vous avez les cartes à l'envers, vous. Bon, alors, avec le roi de coupe, donc comme j'ai dit, le 5 d'épée, là, je vois des personnes qui sont autour d'un chaudron en train de faire... valser les épées là. Pour moi, ça veut dire que c'est il y a une perte de quelque chose. Donc en amour, peut-être la perte de l'être aimé. Il y a des humiliations. Vous allez lutter de toute façon. Vous allez vraiment lutter contre les circonstances pour pouvoir réaliser votre rêve. Vous allez pouvoir vraiment réfléchir. Calmement parce qu'il y a des tourments et des accidents, mais pas des accidents il y a des accidents mais des tourments en fait, voilà pour vous. Avec le page de pentacle à l'envers, moi ça me dit que c'est quelqu'un qui normalement agit sans trop réfléchir, qui pose une carte devant lui, qui cherche sa direction, il ne sait pas trop où il va. Mais comme c'est à l'envers, vous, c'est l'inverse. En fait, vous allez savoir exactement où vous allez, surtout si c'est les pentacles, on parle du financier, on parle du matériel. Eh bien, vous savez quand même où mettre les pieds. C'est pour ça que peut-être que vous vous battez contre vos adversaires, parce que vous savez qu'il y a des choses qui ne vous plaisent pas. Et vous, mes amis Balance, vous en parlez, quoi. Gardez pas pour vous. Là, c'est bon, vous allez taper le poing sur la table. Alors, je vais en savoir un petit peu plus avec un autre tarot, voir si j'ai d'autres précisions pour ce mois d'avril, pour mes amis Balance. Hop, là, plop, plop. La roue de la fortune. Bon, rassurez-vous, il y a un changement qui va arriver. La roue tourne, hein, bien sûr, il y a un cap à passer. Ça va tourner pour vous. Vous avez peur de perdre de l'argent en fait. Ouais, on a vu là avec le page de pentacle de toute façon. On l'a vu aussi avec le 5 d'épée. Le 5 d'épée, hein. Oui, le 5 d'épée. On voit qu'il y a un problème de travail ou de santé. Vous faites face aussi à la blessure de Roger. L'as de bâton à l'envers me dit qu'il y a une passion ou une attraction physique, mais comme c'est à l'envers, eh bien c'est comme le roi de coupe. En fait, il y a quelqu'un qui est parti ou il y a quelqu'un qui
n'a pas envie de prendre vos avances en fait. Si vous avez demandé à quelqu'un de sortir ou en amour, hein, eh bien cette personne, elle décline. Elle décline l'invitation. Je vois qu'il y a une séparation, donc voilà, ça se comprend. Mais une réconciliation. Bon, séparation, réconciliation. Donc apparemment, au mois d'avril, la roue tourne. D'accord? La roue tourne pour vous. Vous avez beaucoup de clarté. Et vous êtes quand même dans une forme d'instabilité au début du mois ou dans le mois. Mais votre clarté d'esprit, vos dons et vos visions vont vous sortir d'un mauvais pas. Le roi de bâton en dos de deck me dit que oui, voilà, l'homme passionné, celui qui était créatif et magnétique, ben, il est à l'envers. Donc ça veut dire qu'il n'est plus dans votre vie pour l'instant. Voilà ce que ça me dit. Je vais continuer à creuser comme les autres signes. Alors, signe lunaire, signe ascendant et signe solaire. Ouais, il y a un verdict qui est posé là. Il y a quelque chose qui va arriver sur la. Alors la santé, je l'ai vu tout à l'heure. Il y a quelque chose qui va pas. Alors soit la santé physique, soit la santé, mais au niveau financier, enfin travail. Mais bon, il y a une ouverture pour vous. Donc croyez en votre destinée. Tout va finir par s'arranger parce que vous avez beaucoup de chance et beaucoup de signes. Attention aux jalousies. Il y a des gens qui vous jalousent. Ou alors il y a une personne qui est jalouse de vous. Ça peut être vous aussi, mais voilà, je tenais à vous le dire. Excusez-moi, j'ai eu OK. Ça m'arrive. Alors, mes amis Balance, qu'est-ce qu'on peut me dire de plus? Oui, c'est ça, il y a la foudre qui s'est tombée, qui est tombée sur vous, il y a un édifice qui s'est écroulé, mais vous êtes protégé. Et de toute façon, c'est scellé, hein. Il y a des choses, voilà, protégées, protégées. Vous êtes protégé, donc rassurez-vous, tout va aller, la roue tourne. D'accord? Et vous êtes initié, oui, parce qu'il veut que je mette les cartes à l'endroit, les guides, hein, sur ce jeu-là. Vous avez beaucoup de signes de l'univers pour vous dire que vous allez sur le bon chemin, donc faites confiance, faites-vous confiance. Vous allez être tenté par des nouvelles choses, peut-être à mettre en place dans votre vie. En tout cas, il y a la carte de la tentation en dos de deck. Je vais aller voir maintenant la personne de votre cœur, celle qui est en face de vous ou celle qui n'est plus dans votre vie, voir comment ça se passe pour lui. Eh bien, en fait, cette personne, elle a des masques, elle a porté longtemps des masques et du coup, elle a perdu son identité première, elle ne sait plus qui elle est. Voilà. Peut-être pour ça que c'est un peu embrouillé en ce moment. Donc là, il va falloir qu'elle sorte ses masques. Cette personne, elle est quand même, elle commence à être un peu connectée comme si elle s'éveillait. Tout de même, c'est peut-être pour ça qu'on a vu séparation et réconciliation tout à l'heure. Alors, mes amis Balance, cette personne, elle reprend un peu de sagesse. Elle s'élève, oui, elle s'élève. Elle se met en position de lotus. Elle fait passer les événements pour les événements qui glissent sur elle. Voilà, cette personne-là, elle est dans cet état d'esprit-là. Voilà. Elle veut que tout aille bien dans sa vie. Elle veut que tout coule de source et tout glisse sur lui. Voilà. Donc j'espère que ça vous a plu, mes amis Balance. En tout cas, moi j'étais ravie de le faire, ce tirage. Si ça vous a plu, abonnez-vous si ce n'est pas encore fait et likez. Et je vous souhaite vraiment plein de bonheur et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.